Père Céleste, nous te remercions pour l'engagement de ton peuple. Merci pour la fidélité. Je prie que tu récompenses tous abondamment au nom de Jésus-Christ. Je prie que ton peuple ne soit pas fatigué, que ne soyons pas là, que tu gardes le feu dans chaque âme au nom de Jésus-Christ. Nous prions que l'œuvre de Dieu prospère dans nos mains. Et comme tu prospères l'œuvre, que tu prospères les ouvriers, afin que tu pourvoies et que tu satisfasses les besoins de tout le monde au nom de Jésus-Christ. Ouvre nos yeux ce soir au nom de Jésus-Christ. Fortifie-nous, touche-nous sans exception. Au nom de Jésus, nous avons prié. Merci beaucoup. Asseyez-vous. Une fois encore, nous vous accueillons à la réunion des ouvriers d'aujourd'hui. Je suis très enchanté que vous soyez ici. Je suis très impressionné par l'obéissance et la fidélité de tous les ouvriers. Vous avez appris qu'on aura la réunion des ouvriers aujourd'hui et nous voici et vous voilà. La bénédiction du Seigneur sera sur tout le monde au nom de Jésus-Christ. Comme nous tenons la réunion des ouvriers par rapport au passage que nous étudions dans la cellule de maison, je fais cela pour vous montrer ce qui est dit en 2 Timothée chapitre 2 verset 15. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. En tant qu'ouvrier, en tant que serviteur de Dieu, nous devons comprendre le contenu du passage que nous enseignons afin de ne pas mal enseigner et égarer les gens pour qu'on ne travaille pas de manière à ne pas être récompensé par Dieu. Donc, nous voyons le passage par rapport aux dirigeants, aux pasteurs et à l'ouvrier. Aujourd'hui, nous voyons la prière, l'intercession. Voyons Genèse, avant cela, voyons 1 Corinthiens 14, en 1 Corinthiens chapitre 14, verset 15. 1 Corinthiens 14, verset 15 qui dit ici, « Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. » Il dit, « Je prierai par l'esprit, je prierai aussi avec l'intelligence. » Donc, comme on voit le passage d'aujourd'hui, venons à Genèse 18. En Genèse 18, nous voyons le verset 20. En Genèse chapitre 18, nous lisons le verset 20. Je veux que vous remarquiez tout ce que le Seigneur nous enseigne ici à cause de la prière d'intercession d'Abraham pour Sodome et Gomorrhe. En Genèse 18, verset 20, et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru. Et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre. Et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. Mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Avant de continuer, voyez, Dieu voulait faire quelque chose. Mais il devait informer Abraham. Dieu veut investiguer, examiner la situation en Sodome. Il est le Dieu Tout-Puissant, il est indépendant, le Tout-Puissant. Il peut faire tout ce qu'il veut faire à n'importe quel moment, sans me dire, sans te dire. Et pourtant, Abraham a gardé une relation d'alliance avec le Dieu du ciel. Et Dieu l'a réclamé comme son ami, disant que je ne peux rien faire. Cela ne concerne pas directement Abraham, mais c'est Sodome et Gomorrhe. Mais vous voyez, le cousin de Abraham
qui est Lot était là. Mais Dieu, que je vais le dire. Pouvez-vous maintenir une relation avec Dieu et que Dieu dise que je vais te dire ceci avant de faire cela. Je fais ceci dans ta famille, mais je vais te le dire. Voyez que je vois l'état de la famille étendue, la famille étendue au collatéral. Je vois là où ton peuple se trouve, mais je vais t'informer. Quand je t'informe à propos de quelque chose, est-ce que tu vas dire que oui, tu vas attendre que oui, Dieu a l'objectif de me le dire. Donc on va apprendre, on va en parler ensemble. Numéro 1, il n'était pas dans les ténèbres, il n'était pas ignorant. Dieu a dit que voici ce que je vais faire. Et on voit que verset 23, Abraham s'approcha et dit, feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Que c'est une grande question. Vas-tu détruire, faire périr le juste avec le méchant? Voilà, comme on prie, voyons notre pays ici et l'Afrique, et même au-delà de l'Afrique. C'est comme il y a de fausses notions et de fausses idées que les gens ont au sujet des afflictions, de la malédiction, de jour. Et on croit que tout ce qui arrive aux incroyants doit arriver aux croyants. On croit que s'il y a une malédiction dans la famille étendue, parce qu'on est membre de la famille, là, cela doit nous arriver. On ne pense pas au fait qu'on est enfant de Dieu, qu'on est juste. On ne pense pas au fait que Dieu a un principe qu'il ne détruira pas le juste avec le méchant. Tous ces gens qui vont passer par là et parlent des malédictions, et parlent des esprits ancestraux, et qui parlent des malédictions territoriales, ils parlent des jours et des oppressions. Ces gens-là font comprendre aux croyants que à cause de là, tu es issu, voici ce qui va t'arriver, voici ce qui va t'arriver si tu n'es pas allé pour une délivrance spéciale. Cela n'est pas dans la Bible. C'est une imagination des hommes. Et voilà le verset 23. Abraham s'approcha et dit, feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Fais mourir avec le juste avec le méchant en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Ouais, Abraham même a compris les choses sans passer par les manœuvres théologiques. Les gens disent que si tu viens de cette famille, tu dois avoir un jour une malédiction sur toi. Abraham a dit que mais Dieu, tu ne peux pas permettre cela. Tu ne peux pas permettre la même affection de l'injuste, du méchant sur le croyant. Il a posé une question avant que Dieu même pose, réponde à la question. Il dit que oui, je connais ta nature, ton principe et ton modèle. Il a dit, loin de là, faire mourir le juste avec le méchant en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi, cette manière d'agir, loin de toi. Celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice? Dieu exercera la justice. Voilà la réponse du Seigneur. Et l'Éternel dit, c'est merveilleux ici. Si je trouve dans Sodome, vous rappelez bien Sodome, le lieu le plus méchant et très 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 pécheur à l'époque. Et Dieu dit, si je trouve dans Sodome, un Sodome méchant, terrible, occulte, immoral, souillé, un Sodome souillé, si je trouve dans la ville, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Quand vous lisez la Bible, vous devez bien penser, vous poser la question, combien de gens trouve-t-on à Sodome? Parce que c'est une ville. Et Gomorre, voici une autre ville. Et les environs, et les villages, et tout le pourtour de Sodome. Nous allons calculer cela après. Et continue de dire, en verset 27, Abraham reprit et dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poudre et cendre.
attendait. Il n'y avait pas de promesse à Abraham ici à réclamer. Abraham agissait sur le fait du principe de justice, de l'équité, de l'intégrité de Dieu. Il dit que je ne crois pas que tu puisses faire cela, détruire le juste avec le méchant. Il n'y avait pas de promesse définie sur laquelle il se tenait. Il se tenait uniquement sur la nature de Dieu. Verset 28. Peut-être des 50 justes en manquera-t-il 5. Pour 5, détruiras-tu toute la ville? Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point si j'y trouve 45 justes. Abraham n'a pas écouté un message sur l'importunité dans la prière. Comment il faut prier? Il n'a rien entendu comme ça. Il savait seulement ceci, qu'il va faire ses requêtes devant le Seigneur. Si vous ne connaissez pas une promesse donnée, mais vous pouvez demander à Dieu, aller demander devant le Seigneur. Et dit ici que Abraham continua de lui parler et dit, peut-être si trouvera-t-il 40 justes, et l'Éternel dit, je ne ferai à cause de ces 50. Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point et je parlerai. Pourquoi parle-t-il comme ça? Oui, parce que les gens sont allés à Sodome et le fait de parler serait un retard pour que Dieu, ou bien les anges retournent au ciel. Et que je sais que je te retarde, le juge de toute la terre. Et il parle face à face avec le Dieu Tout-Puissant. Et il dit, Seigneur, ne t'irrite point, je te parlerai une fois encore. Peut-être si trouvera-t-il 30 justes. Et l'Éternel dit, voyez, Abraham, et il parle, il pensait plutôt à l'état de terreur dans Sodome. Et dit, si j'y trouve 30 justes. Abraham dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur. Il savait qu'il parlait au Seigneur et non aux anges. Les anges sont allés à Sodome, mais il parlait directement avec le Seigneur. Il savait que c'est à Dieu. Et quand vous priez, est-ce que vous êtes conscient de la personne à qui vous adressez? Quand vous priez, est-ce que vous savez que vous parlez au Dieu Tout-Puissant, que selon sa parole, il va garder sa parole? Il savait bien. Et il disait que, Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point, et je ne parlerai cette fois-ci. Peut-être si trouvera-t-il 20 justes. Vous voyez? De 50 à 20. Il dit que le Seigneur ne s'irrite point, et je ne parlerai plus que cette fois. Peut-être s'y trouvera-t-il 10 justes. Quel est le reste? Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 10 justes. Regardez un peu ici. Combien de personnes croyez-vous qu'il vivait en Sodome? Si on dit 10 000, Sodome et Gomorre avec les environs, ce n'est pas un grand nombre. Quand on pense à Ninive, c'est 120 000 personnes. Même si on dit que peut-être on a seulement 1000 personnes, c'est un petit nombre. Mais Dieu a dit que s'il voit 10 justes à Sodome, à cause de ces 10 justes, que les 1000 personnes seront épargnées. Si on divise 10 000 par 10, qu'est-ce qu'on a? On a 100. Cela veut dire que 1%. Si je peux voir une personne au milieu de, je peux voir un juste au milieu de 100 personnes, je vais épargner les 100. Je vais attendre qu'ils changent. Je ne vais pas les détruire. Pensez à votre famille. Comme des personnes, rappelez-vous à votre famille, dans votre famille, 5, 10 personnes, 20 personnes, 25 personnes. Si je te dis maintenant que toute ta famille, les parents, les cousins, les frères germains, les cousins qui commencent à écrire leur nom, peut-être tu vas écrire 50,
si tu, peut-être si tu as écrit 100, et c'est, tu es le seul juste parmi eux. Nous ne parlons pas de la justice de l'Ancien Testament, mais nous parlons de celle de la Nouvelle Alliance. Que Christ vous a rendu juste. Christ vous a lavé par son sang et il vous a imparti, il vous a imputé sa justice, il vous a donné sa grâce et vous vivez dans une justice pratique, profitable, transparente devant le Seigneur et vous êtes le seul parmi 10, parmi 100 personnes. Et Dieu dit, si je vois un parmi 100 personnes, un parmi 10 personnes, je vais épargner la ville, je vais leur donner l'occasion, je ne vais pas les détruire aussitôt. Voilà l'application qu'on a et ce que les gens nous disent. Ils ont changé les choses sans se dessus, dessous. Voilà, dit que si tu es juste et la famille de 10 personnes non sauvées à cause de toi, que Dieu va mettre des choses terribles sur eux, même toi, même qui dit que tu es enfant de Dieu, tu es croyant, que tu vas souffrir, à moins que tu viennes pour une délivrance spéciale. Je dis, moi, je n'ai pas vu ça dans la Bible, ni dans l'Ancien, ni dans le Nouveau Testament. Tout est clair. Dieu a dit, si je vois 10 là-bas, je vais les épargner. Donc, plusieurs, des guerriers de prière qui disent qu'ils prient, ils vont pour des prières, des conférences de prière, ils vont à la montagne de prière, ils vont dans la vallée de prière, ils prient. Quelle prière font-ils? Ils prient sans compréhension, sans intelligence, sans comprendre le principe de Dieu. Dieu merci, je suis délivré de la malédiction. Si vous vous rappelez le Nouveau Testament, Paul parlait aux Corinthiens et puis il a dit que vous qui avez un mari incroyant, tu es croyante, ton mari est incroyant. Vous qui avez une femme incroyante, tu es croyant, ta femme est incroyante. Et puis il dit, que vous soyez marié, femme incroyante, dit, et que vous compreniez que le mari incroyant est sanctifié, est mis à part à cause de la femme croyante. À cause de cette personne de la famille qui est juste, la justice va couvrir, va protéger. Cela ne les sauve pas, mais ils sont mis à part s'il y a une malédiction, une affection sur la famille. Parce que tu es la seule personne juste là, Dieu va épargner le reste de la famille. Et pensez à cela. Alors, il faut étendre un peu cela. Nous avons une église locale. Et l'église locale là, nous avons 100 membres. Et nous disons que ces 100 membres, certains sont sauvés. Certains ne sont pas réellement sauvés. Mais si le pasteur est juste, si le dirigeant est lavé dans le sang de l'agneau, si le dirigeant là-bas travaillant avec le pasteur sont justes, voici Sodome, voici 10 personnes. Dieu a dit que je vais épargner l'assemblée là à cause de ces 10 justes. C'est ce que le Seigneur nous enseigne. Il ne nous dit pas ainsi que parce qu'il y a une personne là-bas qui n'est pas juste à cause de cela, le reste est dans un problème. Non. Dieu merci, je suis triomphant. Dieu merci, je suis plus que vainqueur. À cause de ma présence doit apporter la lumière. Ma présence doit apporter la sécurité. Ma présence doit apporter la puissance de Dieu. Regardez le Nouveau Testament où Dieu a dit que, oui, 2276 dans la barque. Il y avait une grande tempête avec l'apôtre Paul et leur bien était jeté dans la mer. Et pendant 14 jours, ils n'avaient rien mangé. Un ange apparut à Paul, que Paul prend courage. À cause de toi, toi seul, dans ce navire, à cause de toi, le Seigneur t'a donné tous les 276 personnes qui voyagent avec toi. Le problème, la perdition, la destruction qui devait être sur eux, à cause de toi, j'épargne tout le monde. Est-ce qu'on apprend ici? Le Seigneur nous donnera la compréhension au nom de Jésus-Christ. Deux personnes étaient dans la prison. L'un était Paul et Silas. Les prisonniers étaient là. D'autres prisonniers étaient criminels,
des gens mauvais. Il était dans la prison et on nous dit que Paul et Silas, au milieu de la nuit, ils commençaient à chanter des louanges au Seigneur, ils priaient et les fondements de la prison étaient secoués. Et qu'est-ce qui s'était arrivé? Les fers et les chaînes de Paul et Silas étaient déliés et les autres prisonniers. Tout est délié à cause de Paul et Silas. C'est le principe ici. Donc, quand vous voyez l'écriture totalement, vous allez comprendre que n'allez pas dire que parce que dans notre famille, nous sommes idolâtres auparavant, ce qui s'était passé, voyez ce qui était arrivé là-bas. Maintenant, je suis sauvé, mais je suis dans le problème. Dieu merci, je suis hors de ce problème. À cause de ta présence là-bas, tous les gens là-bas, ils n'ont pas compris que les profits, les avantages que ta présence apportera. La protection de Dieu sera sur eux au nom de Jésus-Christ. Nous allons voir ce passage d'une autre perspective. Tout ce que je vous ai montré, c'est pour vos profits personnels. Nous allons voir ce passage comme ministre. Nous allons voir ce passage comme ouvrier. Nous allons voir ce passage comme pour des gens qui travaillent pour le Seigneur. Nous parlons de l'intercession, la prière. On nous dit que ceux qui parlent de la prière disent que la prière est la clé. L'avez-vous une fois appris? Pensez à cela. La prière est la clé. Je vous parle ce soir de l'insuffisance de prier sans prêcher. Prenez les deux choses. La prière et de la prédication. Il y a la prière sans la prédication. Il y a la prédication sans la prière. Il y a la prédication et la prière. Numéro 1, prier sans prêcher. Sodome. Ouais, c'est insuffisant. Parce que, oui, bien que Abraham ait prié, il n'avait pas assez de juste pour épargner Sodome. Parce qu'il n'avait pas dit juste à Sodome. Sodome était détruite. Ouais, combien de justes vont nous compter là-bas? Ceux qui sont justes par définition, ceux qui sont justes par description. Oui, on a Lot par description. Ou bien, sans Lot, on a Lot, les deux filles. Même si on m'appelle sa femme, combien on a là-bas? On a 4, pas même 10. Alors, ce qu'on devait faire, qu'il y ait la prière et qu'il y ait la prédication. Revenons à une autre situation. C'est la prédication sans la prière. Cela nous rappelle Jonas. Il a prêché, il a parcouru la ville que encore 40 jours et Ninive sera détruite. Il n'a rien dit pour prier pour eux, pour intercéder pour eux, pour les encourager. Mais quand on pense à Ninive, vous pensez à la prédication sans la prière. Et je dis cela, que cela est insuffisant. Prier sans la prédication est insuffisant. Prêcher sans la prière est insuffisant. Et toi, la prière, prier avec la prédication, c'est incroyable. Quand on passe à Jérusalem, voyez ces apôtres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils disent que nous donnons à la prière et au ministère de la parole. Et non à ceci, pas nous allons nous spécialiser à la prière, non, ou bien nous allons nous spécialiser à la prédication, nous allons nous donner à la prière et à la prédication de la parole. C'est la prière et la prédication et la prière. Ce qui apporte la puissance incroyable sur les gens. Donc, il y a 3 possibilités. Numéro 1, prier sans la prédication, cela ne donne pas beaucoup de choses, ça ne fait pas tant de choses à Sodome. Et puis, la prédication sans la prière, ouais, les gens peuvent avoir quelques avantages, cela dépend de comment ils ont appris la prédication. Mais le meilleur, ce qui est idéal, ce qui est recommandé par le Seigneur, c'est la prière et la prédication. Cela nous fait rappeler Jérusalem lorsqu'ils ont eu des résultats incroyables. Comme je vois ce passage, nous voyons l'insuffisance de la prière sans la prédication. Nous allons voir 3 points. Numéro 1, les grands péchés de Sodome en Genèse 13,
et les hommes de Sodome étaient de grands pécheurs devant le Seigneur. Ils étaient excessivement méchants. À cause de cela, Dieu a dit qu'il va les détruire. Voyons comment ils ont pratiqué, organisé leurs péchés, leur violence. Voyons, Genèse 19, en Genèse 19, verset 4 dit, Genèse 19, 4, « Et n'était pas encore couché que les gens de la ville, les gens de Sodome entouraient la maison. Depuis les enfants jusqu'aux vieillards, toute la population était accourue. Deux visiteurs sont entrés dans la ville et sont des anges vus comme des hommes. » À cause de l'apparition, la présence de ces étrangers, tous sont venus de divers lieux. Ils appelèrent Lot et lui dirent, « Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. » Le mot « connaître » là-bas, c'est comment le mari connaît sa femme. Cela parle d'avoir une relation immorale avec ces gens. Ils sont des sodomites. C'est l'un des péchés majeurs de Sodome, c'est la sodomie et que l'homosexualité. Et que ces hommes qui sont arrivés, vieux et personnes âgées, en grand nombre, tous ces gens-là, ils voudraient violer ces deux hommes. Fais-les sortir. Nous voulons les connaître. Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Et dit, mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. Il sait de si, c'est si seulement de les comprendre, de les connaître. Il ne dira pas que de ne pas faire le mal. Mais comme il voulait le connaître de façon immorale, il dit, voici, j'ai deux filles qui n'ont pas connu d'homme. Je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Seulement, ne faites rien à ces hommes. Puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. Ils dirent, retire-toi. Ils dirent encore, celui-ci est venu comme étranger et il veut faire le juge. Eh bien, nous te ferons pis qu'à eux. Et pressant Lot avec violence, ils s'avancèrent pour briser la porte. Vous pouvez voir comment ils ont décidé de faire le mal, faire tout, agir comme des animaux, pire qu'un animal. C'est le péché de Sodome. Verset 10. Les hommes, c'est-à-dire les anges, étendirent la main, firent rentrer Lot vers eux dans la maison et fermèrent la porte. Et ils frappaient d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. De sorte qu'ils se donnèrent, fait quoi? Une peine inutile pour trouver la porte. Ce miracle de jugement était venu sur eux. Ils étaient aveugles, ils ne pouvaient plus voir. Tout est aveugle. Quoi qu'ils soient aveugles, ils cherchaient la porte et ils se donnaient la peine inutile. Vous voyez, la prière d'Abraham ne les avait pas changés. Personne ne leur avait prêché la repentance. Personne ne leur avait parlé de la possibilité d'avoir une nouvelle vie. Prier ne suffit pas sans l'application. Et ces gens ont continué leur ignorance. Après que quelqu'un a prié pour eux. Ouais, frères et sœurs, si dans nos cachettes, et on prie pour les voisins, pour les parents qui ne connaissent pas le Seigneur, la prière ne suffit pas. Quelqu'un doit aller leur en parler. Dieu merci, nous allons bientôt. Le ministère à la radio commence bientôt ici au siège. C'est pourquoi on continue. Je rends grâce au Seigneur. Et il y a distribution des traités ici. Il y a l'évangélisation matinale. Mais la prédication doit joindre à la prière. Et voyez. Pas seulement Abraham a prié pour ces gens. Regardez comment ces gens sont. Voyons, Michel, ce qui est arrivé, comme ces gens se sont donné la peine inutile de faire le mal. Voyez, après être frappé par
même des maladies incurables en eux. Néanmoins, ils avaient la passion de commettre le péché, de faire le mal. Ils ne vont pas se détourner du mal. Nous parlons de Sodome et Gomorrhe. C'est ainsi qu'ils étaient. Voyons Michée, chapitre 7, verset 2, qui dit « L'homme de bien a disparu du pays. En voyant Sodome, il n'y a pas un bon homme, il n'y a personne, et il n'y a plus de juste parmi les hommes. Ils sont tous en embuscade pour verser le sang. Chacun tend un piège à son frère. » Regardez le verset 3. « Leurs mains sont habiles. » Comment? « À faire le mal. » Leurs mains sont habiles à faire le mal. C'est comme leur travail à plein temps. Ils sont très passionnés, engagés à faire le mal. Le prince a des exigences. Le juge réclame un salaire. Le grand manifeste son avidité. Et ils ont fait ainsi cause commune. Le malheur d'entre eux est comme une ronce. Le plus droit pille comme buisson d'épines. Le jour annoncé par des prophètes, ton châtiment approche. C'est alors qu'ils seront dans la confusion. On voit la situation de Sodome. Nous allons parler de Sodome. C'est le vrai lieu où il y avait la prière et l'intercession pour eux, mais l'intercession n'était pas soutenue par l'évangélisation pour gagner des âmes, saturer le lieu par l'évangélisation. La prière ne fera pas beaucoup. Venons à Ésaïe chapitre 1 et Dieu parle de certains gens. À ceux dont il parle, si vous serez surpris, ce qu'ils étaient. Ésaïe chapitre 1. En Ésaïe 1, je lis Ésaïe 1 verset 4. Ésaïe 1 verset 4. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé le Saint d'Israël. Ils se sont retirés en arrière. Qu'est-ce que le Seigneur dit d'eux? Verset 10. Écoutez la parole de l'Éternel, chef de Sodome. Israël est devenu si mauvais, si méchant, que Dieu les a regardés comme Sodome. Écoutez la parole de l'Éternel, chef de Sodome. Prête l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorrhe. Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel? Je suis rassasié des holocaustes de béliers, de la graisse des veaux. Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de souiller mes parvis. Ils sont déjà religieux et leur vie est devenue si mauvaise, si pire, si souillée, et ils sont comparés à Sodome. Il y a des gens qui disent que la seule chose à faire, c'est de continuer de prier. Non, on doit leur enseigner, prêcher la saine doctrine et la repentance en les appelant hors du péché, venir au Seigneur. La prière seule pour Sodome n'apportera pas le salut, ne va pas avorter le jugement de Dieu. La prière seulement pour les gens religieux de notre temps, notre pays, ne produira pas de fruits. Nous prions, oui, c'est très important. Nous intercédons, c'est important. Mais nous devons également aussi prêcher la parole et apporter les gens à la conviction. Ça, c'est ça qui va changer leur vie. En Jérémie 23, voyons le verdict et ce que le Seigneur dit au sujet non seulement des gens de Jérusalem, même des prophètes et des pasteurs en Jérusalem. En Jérémie chapitre 23, je lis verset 14. Jérémie 23, 14.
Mais dans les prophètes de Jérusalem, j'ai vu des choses horribles. Je ne veux pas que vous me regardiez, il faut aussi voir votre Bible. Est-ce que vous êtes là? C'est que vous êtes là. En Jérémie 23, 14. Mais dans les prophètes de Jérusalem, j'ai vu des choses horribles. Ils sont adultères. Ils marchent dans le mensonge. Ils fortifient les mains des méchants, afin qu'aucun ne revienne de sa méchanceté. Ils sont tous à mes yeux comme quoi? Sodome. Et les habitants de Jérusalem sont comme quoi? Gomorre. Quand on voit beaucoup d'églises dans notre pays, ouais, comme les églises se multiplient, la corruption se multiplie dans ce pays, comme les maisons de prière se multiplient, la souillure, le mal, l'ivrognerie, l'immoralité augmentent dans ce pays, dans ce continent, même dans le monde entier. Et les communions, les assemblées se multiplient. Ce type Wickle, il est apôtre, il a une voiture, l'autre est évangéliste, l'autre est un grand révérend, l'autre est un grand pasteur, l'autre là est un docteur international de la parole de Dieu. Et quelque chose se passe là-bas, on ne peut pas voir le résultat des prédicateurs, de tous les prophètes, de les gens qui se disent, même Nigeria est un pays religieux, partout on va dans le monde, vous allez voir des Nigériens là-bas, des Nigériens, qu'est-ce que tu fais ici? On fait l'œuvre missionnaire. Où en est l'effet? Dieu dit, ces gens-là sont comme pour moi, Sodome et Gomorre. Il y a des gens qui disent que nous connaissons la condition de l'État, l'État du ministère. Prions. La prière seule ne le fera pas. Que quelqu'un se lève et dise la vérité. Que quelqu'un montre la voie aux gens. Que Dieu regarde ces gens religieux comme Sodome et Gomorre. Alors il faut la prédication qui soutienne la prière. Verset 15. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées sur les prophètes. Voici, je vais les nourrir d'absinthe et je leur ferai boire des eaux empoisonnées. Car c'est par les prophètes de Jérusalem que l'impiété s'est répandue dans tout le pays. Parfois, quand on lit le journal, on voit les choses que ces pasteurs font. On voit là-bas des chansons d'immoralité et de souillure dans ces assemblées. Ézéchiel chapitre 16, verset 49. Voici quel a été le crime de Sodome. Il parle aux enfants d'Israël que Sodome est maintenant leur sœur. Que oui, vous êtes en relation, oui, vous êtes les mêmes. Quoique oui, tu sois religieux, tu brûles l'encens et ces choses-là, tout de même, Sodome est ta sœur. Que voici quel a été le crime de Sodome, ta sœur. Elle avait de l'orgueil. Elle vivait dans l'abondance et dans une insouciante sécurité. Elle et ses filles, et elle ne soutenait pas la main du malheureux et de l'indigent. Regardez ici, il y a des églises qui se spécialisent en prospérité. Dans ces églises-là, les pasteurs vivent bien et ils sont riches, ils ont de l'argent, ils ont un compte bancaire rempli d'argent et ils demandent des dons et les gens donnent beaucoup et les pauvres sont là depuis des années et ils espèrent que si je donne plus que certains vont mourir dans la pauvreté, dans la pénurie. Et quelqu'un doit leur dire que nous devons équilibrer la parole de Dieu. Nous ne devons pas aller dans ce concept ici et dire que oui, parce qu'il faut faire, parce qu'il dit équilibre. Et non pas, voilà le verset 50 ici. Elles sont devenues hautaines et elles ont commis des abominations devant moi. Je les ai fait disparaître quand j'ai vu cela. Verset 51.
Samarie n'a pas commis la moitié de tes péchés. Tes abominations ont été plus nombreuses que les siennes. Et tu as justifié tes sœurs par toutes les abominations que tu as faites. Et dit, toi qui condamnais tes sœurs, supporte ton opprobre à cause de tes péchés par lesquels tu t'es rendu plus abominable qu'elles. Ce sont les enfants d'Israël. Ils sont devenus même plus abominables que Sodome et Gomorrhe. Et ce que Jésus a dit, ce qu'il est venu faire ici, il a prêché à ces gens. Voyons Matthieu chapitre 11. En Matthieu 11, verset 23. En Matthieu 11, verset 23. Et toi, Capernaüm, seras-tu élevé jusqu'au ciel à cause des privilèges? Non. Tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. Les enfants d'Israël étaient terribles au temps de Jésus-Christ. Et Jésus a dit, vous êtes plus coupables que les sodomites à cause du mal que vous perpétrez. Voilà. Apocalypse chapitre 11, je veux que vous lisiez ceci et avoir une bonne compréhension de l'état des gens afin que nous voyons le pays dans lequel on vit et comment Dieu regarde ce pays par rapport à Sodome et Gomorrhe. Si nous allons aider le pays dans lequel nous vivons, nous devons prier, oui, et nous devons intercéder, nous devons le faire, mais on intercède et on prêche. Apocalypse 11, voilà le verset 8. Apocalypse 11, verset 8. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville, qui est appelée dans le sang, dans un sens spirituel, Sodome et Égypte, la même où notre Seigneur a été crucifié. Où est-ce que notre Seigneur a été crucifié? Où a-t-il été crucifié? À Jérusalem. Que Jérusalem est aussi mauvais que Sodome. Sodome et Égypte, là même où leur Seigneur a été crucifié. Et c'est le cas, quand nous pensons à Sodome, des plusieurs années passées, des centenaires et des siècles passés et des millénaires passés, passons à notre ville, à notre nation. Que Dieu dit, le jugement vient. Jésus a dit que comme cela a été au temps de Noé, ainsi sera-t-il au temps de la venue du Fils de l'homme. Comme cela a été au temps de Lot, lorsqu'il est sorti de Sodome, ainsi sera-t-il à la venue du Fils de l'homme. Ça veut dire que le monde sera aussi mauvais que Sodome. S'il y a quelque chose à faire aujourd'hui, nous devons évangéliser de façon élevée. Nous devons prêcher avec une allure passionnée et être agressif dans la prédication. On ne va pas rester à la montagne de prière, rester quelque part, on prie. Non, nous devons aller au-delà de cela et prêcher aux gens. Comme nous prêchons aux gens, le Seigneur va exaucer nos prières et faire usage de notre prédication pour atteindre les gens au nom de Jésus-Christ. Je viens au deuxième point. La supplication exceptionnelle pour Sodome. La supplication exceptionnelle pour Sodome. Voyons, Genèse 18 et Genèse 18, verset 23. Verset 23 dit, Abraham s'approcha et dit, feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Déjà, on a lu le passage et les prières pour Sodome. Et dit, mais si tu trouves 50 personnes là-bas juste, vas-tu les juger, vas-tu les détruire, ne vas-tu pas les épargner? Et 40, 30, 20, 10, ne vas-tu pas les épargner? Dieu a dit, mais si je vois 10 juste en Sodome, je ne détruirai pas toute la ville à cause de ces 10. Mais était-il en mesure de voir 10 personnes? Non. Mais vous voyez, nous comprenons la limitation à l'époque.
Mais savez-vous que Abraham avait comme de serviteurs 300 serviteurs, 314. Ses serviteurs connaissaient le Dieu d'Abraham. Ses serviteurs, l'un d'eux, celui qui a envoyé chercher sa femme pour Isaac, vous savez comment le serviteur l'a prié, comment il s'est connecté avec le Dieu Tout-Puissant. Dès qu'il a fini la prière, on a vu le résultat. Il savait communiquer. Il savait comment distribuer, comment organiser. Il savait toutes choses, le serviteur là. L'autre serviteur lui aussi. Est-ce que vous rappelez bien, en chapitre 14, lorsque les gens étaient venus en confédération et ont ôté les gens de Sodome et Lot et sa femme et ses biens étaient emportés, et Abraham avec ses 314 serviteurs se sont organisés et sont allés vaincre les gens. Abraham savait comment vaincre les ennemis. 314 personnes connaissaient le Dieu d'Abraham, mais Abraham n'a pas pensé à les organiser d'aller à Sodome, à Gomorre pour parler du Dieu d'Abraham. Ces gens connaissaient le Dieu d'Abraham. Il a seulement prié pour eux. Et nous avons beaucoup d'ouvriers, plus de 314 personnes qui peuvent sortir, donner des traités, parler aux gens, sortir, dire aux gens que le jugement vient sur ce monde. Si nous faisons comme Abraham, seulement on prie, Sodome sera détruit. C'est pourquoi nous voulons avoir tous nos membres et tout le monde, les organiser, les former, les enseigner que oui, nous devons prier, oui, mais on doit prêcher. Qu'est-ce que Jésus nous a dit? Il a dit d'aller par tout le monde et faire quoi? Et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Il a prié, mais la prière n'était pas suffisante. La supplication exceptionnelle pour Sodome. Voyons Exode 32, à Exode 32, verset 9. Exode 32, verset 9. L'Éternel dit à Moïse, « Je vois que ce peuple est un peuple au cou roide. Maintenant, laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux, et je les consumerai, mais je ferai de toi une grande nation. » Il faut bien noter cela. Dieu a dit qu'il va les exterminer. Il va les massacrer, il va les tuer tous. Les hommes, les femmes, tout le monde. Et je vais recommencer avec toi. Et je ferai de toi une grande nation. Il faut comprendre le mot que Dieu emploie ici. Verset 11. Moïse implora l'Éternel, c'est la prière, son Dieu, et dit, « Pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte? » Il a continué la prière et leur dit en verset 13, « Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs, auxquels, verset 14, « Et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. » Arrêtez-vous. Qu'est-ce que cela veut dire? Le Seigneur se repent. Il a changé sa pensée. Il a changé ce qu'il a décidé de faire. Il aurait détruit les femmes, les personnes âgées, les jeunes, les enfants, tout le monde. Et alors, de là, il va susciter une nouvelle nation par Moïse. Il a dit qu'il ne va plus le faire. Mais les gens qui ont fait les idoles, les gens qui ont fléchi devant les idoles, les gens qui ont dit que Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Est-ce que cela veut dire qu'il n'était pas puni? Est-ce qu'il n'était pas mort? Vous connaissez bien l'histoire des enfants d'Israël, comprenez? Cela ne veut pas dire que parce que Moïse a prié, s'il n'a pas prêché aux gens, s'il n'a pas dit aux gens de se repentir, alors ils ne seront pas épargnés. Voyons Exode 32, verset 26. Voir ce qui suit.
Moïse se plaça à la porte du camp et dit à moi ce qui sort pour l'Éternel. Et tous les enfants de Lévi s'assemblèrent auprès de lui. Ouais, il doit leur prêcher, il doit les appeler à la décision, il doit les appeler à la repentance, non seulement à la prière. Moïse a prié, oui, il a prié, mais il a intercédé et a appelé les gens. Il a fait un appel ouvert, universel, quiconque qui est du côté du Seigneur. Seuls les Lévites étaient sortis. Moïse dit, là, il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, que chacun de vous mette son épée au côté, traversez et parcourez le camp d'une porte à l'autre, et que chacun tue son frère, son parent. Les enfants de Lévi firent ce qu'ordonnait Moïse, et environ 3000 hommes parmi le peuple, combien de personnes? 3000 hommes parmi le peuple périrent en cette journée. N'a-t-il pas prié pour les 3000? Oui, il a prié pour toute la nation, mais ces gens-là ne s'étaient pas repentis. Ils étaient méchants dans la décision. La prière seule ne va pas sécuriser les gens, sauver les gens. La prière seule ne va pas garder les gens. Voyons ceci, verset 31. Moïse retourna vers l'Éternel et dit, ah, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait un dieu d'or. Pardonne maintenant leur péché. Sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit. Verset 33. Tout le monde, lisez cela. 1, 2, 3, allez-y. L'Éternel dit à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Voyez cela. C'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Et ce sont les gens pour lesquels Moïse a prié. Et Dieu a dit, je vais effacer toute la nation. Ce que Dieu a changé en réponse à la prière, c'est que je ne vais plus effacer toute la nation, les hommes, les femmes, les jeunes, les enfants et les personnes âgées, et recommencer avec toi. Mais pour la responsabilité personnelle du pécheur, le pécheur doit se repentir, sortir de l'idolâtrie, il doit sortir de ce mal et être sauvé. L'intercession de Moïse elle-même, sans la prédication et les appeler à la repentance, ne sauve personne. C'est pourquoi Dieu a dit que c'est celui qui a péché contre moi. C'est le même chapitre. Que c'est celui qui a péché contre moi que je effacerai de mon livre que j'ai écrit. Verset 35. L'Éternel fait quoi? Frappa le peuple. Parce qu'il avait fait le veau fabriqué par Aaron. Oui, il les a frappés. Beaucoup d'eux étaient morts. Parce que l'intercession seule, la prière seule, ne fait pas bien. Nous prêchons autant que nous prions. Voyons, Nombre 14, lisons verset 19. Est-ce que vous êtes là? C'est très important. Nous devons comprendre l'écriture, sinon nous allons fonder notre espérance sur ce qui est faux, ce qui est partial, ce qui n'est pas véritable. On pose la question de ce passage en Nombre 14, versets 19 et 20. Que pouvons-nous apprendre de l'intercession? Oui, non seulement de ces versets, nous devons lire au-delà de ces versets. Verset 19. Pardonne l'iniquité de ce peuple, selon la grandeur de ta miséricorde, comme tu as pardonné à ce peuple depuis l'Égypte jusqu'ici. Verset 20. Et l'Éternel dit, dites-le-moi, je pardonne comme tu l'as demandé. Nous sommes l'Église biblique de la vie profonde. Nous devons lire au-delà de ces versets. Si vous lisez ces versets, et Moïse a prié, et Dieu a dit, d'accord, tu m'as dit de leur pardonner, je leur ai pardonné. Quelle est la compréhension de je leur ai pardonné? Que ces gens sont rebelles. Moïse, que ma colère s'éclate contre eux. Je vais les effacer, chacun. Moïse a dit, Dieu, faut pas faire cela. Pardonne-leur. Dieu a dit, je leur ai pardonné. Avec le sens que
je ne les effacerai pas comme toute la nation. Voilà le verset qui suit. Quel est le verset qui suit? Lisez cela à haute voix. Mais je suis vivant et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Verset 22 maintenant. Tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai faits en Égypte et dans le désert, qui m'ont tenté déjà 10 fois et qui n'ont point écouté ma voix. Voilà le verset 23. Tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. Vous voyez, quand vous limitez au verset 19 et 20, vous aurez une mauvaise réponse. Alors, vous aurez une perception mauvaise. Vous aurez une mauvaise conclusion de la prière. Disant que prier, prier. Une fois compris, c'est fini. Non. Vous devez lire le verset qui suit, qui nous dit ce que Dieu a dit aussitôt qu'il leur a pardonné, que je ne vais pas effacer toute la nation. Ils seront comme la nation. Mais continuons maintenant. Je lis le verset 23. Tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. Et puis il a donné le privilège à Caleb et a donné également à Josué. Verset 26. L'Éternel parla à Moïse et Aaron et dit: jusqu'à quand laisserai-je cette méchante assemblée murmurer contre moi? J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël qui murmuraient contre moi. Dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Vos cadavres tomberont dans ce désert. Vous tous dont on a fait le dénombrement en vous comptant depuis l'âge de 20 ans et au-dessus et qui avez murmuré contre moi. Ce que le Seigneur dit, c'est qu'il voudrait les décrire 15 ans, 17 ans, 20 ans, du petit jusqu'au grand maître qui est d'accord. Je ne vais plus effacer toute la nation pour que je ne commence pas une nouvelle nation par Moïse. Mais tous ces gens-là qui ont péché, qui ne sont pas repentis, et ils seront effacés et vont passer 40 ans au désert, du 20 ans au-delà. C'est pourquoi, comme vous lisez la Bible, on étudie la Bible, le ministère de la prédication et le ministère de l'évangélisation est très important. Que la prière seule n'évangélise pas le monde. La prière seule ne conduit pas les gens à connaître le Seigneur. Voilà ce qu'il a dit là-bas. Il dit qu'il va les détruire du milieu des gens. Allons maintenant au verset 40. Verset 40. Ils se levèrent de bon matin et montèrent au sommet de la montagne en disant: nous voici, nous monterons au milieu dont a parlé l'Éternel, car nous avons péché. Ils ont confessé, mais la confession est venue trop tard. 41. Moïse dit: pourquoi transgressez-vous l'ordre de l'Éternel? Cela ne réussira point. Ne montez pas, car l'Éternel n'est pas au milieu de vous. Ne vous faites pas battre par vos ennemis, car les Amalécites et les Cananéens sont là devant vous, et vous tomberiez par l'épée. Parce que vous vous êtes détournés de l'Éternel, l'Éternel ne sera point avec vous. Ils s'obstinèrent à monter au sommet de la montagne. Mais l'arche de l'Alliance et l'Éternel et Moïse ne sortirent point du milieu du camp. Alors ils descendirent, les Amalécites et les Cananéens, et les Cananéens qui habitaient cette montagne, ils les bâtirent et les taillèrent en pièces jusqu'à Horma. Alors vous voyez, c'est pourquoi c'est très important pour nous. Je vais prier avec intelligence et puis je vais aussi étudier pour me montrer un homme éprouvé à Dieu, comme un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. C'est très important que nous dispensions la parole de vérité de façon appropriée. Moïse a prié, mais on a vu les résultats. Les gens doivent se repentir. Abraham a prié pour Sodome, mais voyez, Sodome était toujours détruit.
Quelqu'un a dit que la prière est la clé. D'autres disent que la prière est la clé. Mais est-ce que c'est la clé? La réponse est non. Que devons-nous faire? Prier et prêcher. Prêcher et prier. Appeler les religieux à la justice. Appeler l'Église à la séparation, à la sainteté, à la sanctification. Les intercesseurs et les guerriers de prière prient. Mais les pécheurs et les rétrogrades se multiplient et périssent dans nos pays. Seuls ceux qui tournent plusieurs à la justice seront récompensés au dernier jour. Voyons Daniel chapitre 12. En Daniel 12, 3. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Vous serez de leur nombre. Tournez les gens vers la justice au nom de Jésus-Christ. Venons maintenant au troisième point. La souffrance éternelle de Sodome. La souffrance éternelle de Sodome. Pouvons-nous prier pour les gens et en même temps que ces gens périssent? Oui. Oui. Bien que nous disions que nous sommes de la vie profonde, notre prière maintenant est limitée. Notre prière se limite au niveau de la guérison, que les gens soient délivrés, que les gens aient le boulot, que les gens aient un certain luxe, un certain confort, que le problème des gens soit réglé. Nos frères souffrent, prions que la souffrance prenne fin. La prière est devenue très limitée. On ne prie pas pour leur âme, pour leur salut. On ne prie pas pour la relation avec Dieu. On ne prie pas que si le Seigneur vient. C'est-à-dire que notre peuple, nos frères soient prêts pour l'enlèvement. On ne prie pas pour la sainteté, pour la justice, pour la sanctification. On prie seulement que ce problème soit ôté. Pasteur, beaucoup de nos frères sont mariés, il n'y a pas d'enfants, et tenons une conférence de prière et que ce problème soit ôté. Il y a beaucoup de nos frères qui sont à l'âge de se marier. Et on peut consacrer un temps à prier pour eux pour que ce problème soit ôté. Il y a des gens qui sont sous l'oppression, sous l'attaque. Si on peut venir maintenant tenir une conférence de prière et qu'on prie et qu'on fasse secouer ces jours-là, afin que le peuple sache que notre Dieu est toujours vivant. On peut faire tout cela et que les rétrogrades, on peut faire tout cela et que les pécheurs demeurent dans leur péché. Nous devons prier afin que nos gens échappent au jugement à venir sur ce monde. Regardez tous les gens qui ont reçu la prière. Vous venez au Nouveau Testament, vous allez voir les gens que Jésus a guéris. Il les a guéris jusqu'au point où on nous a dit que quiconque le touchait était guéri. Il a guéri jusqu'à ce que tous se soient rassemblés en un temps. Il a nourri 5000 personnes. Une autre fois, il a nourri 4000 personnes. Une autre fois, il était une grande foule. Il a envoyé ses disciples. Ils ont prêché la repentance. Et puis là, que beaucoup d'entre eux étaient guéris. Il a envoyé les 70. Et de retour, ils ont dit que même les démons nous sont soumis en ton nom. Il dit que oui, je vois Satan tomber du ciel comme un éclair. Je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. La guérison et les miracles partout. Mais lorsqu'ils étaient arrivés pour arrêter Jésus, Pilate a dit que qu'est-ce qu'il a fait? Mais qui est-ce que je vais vous relâcher? Barabbas ou Jésus? Tu as crié Barabbas. Que je vais faire avec votre roi? Que crucifiez-le. Les gens disent que son sang tombe sur nous. Je crois que les gens ont reçu la guérison, la délivrance des mains de Christ. Lorsqu'il est ressuscité des morts, environ 500 personnes l'ont vu. Ils l'ont vu après la résurrection. Où était-il allé? Les 4000 qu'il avait nourris miraculeusement, où était-il allé? Les 5000 qu'il avait nourri, où étaient-ils? Et les multitudes, les foules qui étaient guéries, qui touchaient Christ, il a ressuscité les morts, purifié les lépreux, a ouvert les yeux des aveugles, il a fait de grands miracles partout.
il allait faisant du bien et délivrant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Lorsqu'il est ressuscité des morts, seul, sans sa personne, l'ont vu. Pensez à cela. Combien de ces gens sont allés au ciel? Pensez à cela. Il a dit que vous attendez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Et le jour de la Pentecôte, combien de personnes étaient là? Dites-le moi à haute voix. Où sont les autres? 318 de 500. Même si on dit que 500 est petit de gens qui ont reçu la prière et les miracles, de ces 500, où sont les autres? Ils ne s'intéressent pas à recevoir la puissance. Que la puissance du Saint-Esprit vienne sur eux, qu'ils soient des témoins à Jérusalem, en Judée, à la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Ouais, ils ne s'intéressent pas à cela. Donc, tout ce qui fait leur intérêt, tu as vu miracle, parce que vous avez mangé du pain et vous êtes rassasiés. C'est pourquoi vous me cherchez. Ne cherchez pas. Ne cherchez pas les choses qui périssent, mais cherchez ce qui est pour la vie éternelle. C'est ce que le Seigneur nous dit. Comme on voit cette histoire, ou pas seulement aller à la prière, la prédication, l'évangélisation, gagner des âmes, la conviction du péché. Ouais, parce que tous ces gens-là, ils ont péri finalement. Nous n'allons pas périr. Nos frères, nos gens n'opéreront pas. Voyons, Genèse 19. En Genèse 19, lisons le verset 12. En Genèse 19, verset 12, voyez ce qu'il nous dit en verset 12. Les hommes dirent à Lot, qui as-tu encore ici? Genre, fils et fille, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ce lieu, car nous allons détruire ce lieu, parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. Lot sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Ils ne l'ont pas cru, ils ne l'ont pas accepté. Lot, tu ne nous as jamais prêché, tu ne nous as jamais averti. Tu connais la vie que nous menions. On propose marier ta fille. Tu n'as rien dit. Maintenant, tu viens nous dire maintenant que le Seigneur est sur le point de détruire ce lieu. Tu dois plaisanter. Tu es en train de te plaisanter. T'es-tu enivré? Quelque chose t'est arrivé? Où est-ce que tu as appris cela? C'est ce qu'il croyait. C'était trop tard. Les gens, lorsque nous sommes, les gens vont revenir ensemble. Lorsque on leur parlait, et puis on leur parlait, on n'a jamais parlé du Seigneur. Et puis soudain, tu t'es levé que, mon ami, ceci va se passer. Oh, ceci va se passer. Je dis, quoi? Ah, s'il te plaît. Si tu es enivré, va-t'en. Quitte. Va te dessouler. Pourquoi me dire cela? Chaque fois, on est ensemble, on mange ensemble, on discute ensemble. Tu ne m'as rien parlé de ci. Et maintenant, tu me parles de ci. Ils ne vont pas te prendre au sérieux. Mais si tu vas, va prier. Va prier pour toi d'abord que je te pardonne. Alors, toute la relation que tu tisses avec les gens, tu ne leur parles, tu ne dis rien. Et tu te lèves, tu leur dis ceci, que ceci va se passer. Ils ne t'ont jamais vu être croyant. C'est nous qui savons que tu es croyant, que tu es chrétien, ouvrier dans notre église. Ils sont ici quand tu sais que tu es prédicateur. Les gens ne te connaissent pas comme prédicateur. Que tu as le feu en toi, quelque chose brûle en toi, que tu vas vouloir leur dire que voici la chose la plus urgente, importante, que le monde sera détruit et qu'ils doivent sortir de la destruction. Verset 15 ici. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant, lève-toi, prends ta fille, ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. Et comme il tardait, voilà cela, il savait que la destruction vient, mais il tardait. Ouais, vous savez, il y a des gens qui disent que je sais que le jugement vient, mais ils plongent leur âme dans le monde.
les hommes ne saisirent pas la main, lui, sa femme et ses deux filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'amenèrent et le laissèrent hors de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit : Sauve-toi pour ta vie. Ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne périsses. Verset 26. Dites-le-moi, la femme de Lot regarda en arrière. Lisez bien, 1, 2, 3, allez-y. La femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Quelle foi avait-elle, cette femme-là? Quelle compréhension avait-elle que lorsque un ange a parlé, 100%, cela doit être accompli? Quelle compréhension avait-elle que cet ange, elle était à la maison lorsque les hommes de Sodome étaient arrivés, et ces hommes et ces garçons, tout le monde s'était aveuglé. Elle était là, elle devait comprendre que ce que ces anges ont dit, c'est la vérité, mais toujours elle tardait. Que ne regardez pas derrière vous. Et il était sorti et un ange a saisi sa main. Un ange lui a parlé. Un ange a regardé son visage. Que ne regarde pas derrière toi. Il y a un danger. Ce n'est pas un danger temporaire, mais il y aura une perdition éternelle, une damnation éternelle, un destin tragique. Ne regarde pas derrière toi comme il allait regarder cela. Que elle n'est pas totalement comme elle n'a pas totalement cru à tout ce que l'ange avait dit. Et puis elle a regardé en arrière. Est-ce que ça peut être vrai? Que le feu va brûler Sodome et Gomorrhe? Est-ce que cela peut être une vérité? Que tous nos bergers, ce qui nous a séparés d'Abraham, oui, pourquoi on a lutté? Est-ce que cela peut être vrai? Que tous nos bergers qui sont là, personne ne sort, personne ne sortait. Est-ce que cela peut être vrai? Avec toutes nos bêtes, est-ce que cela peut être vrai? Tous nos biens, tout ce qu'on a amassé, est-ce que cela va brûler comme ça? Est-ce que je peux avoir confiance en ces anges? Est-ce qu'on sort de pour rien? Est-ce que je vais tout perdre? Oui, l'œuvre de mes mains et toutes ces choses qu'on contrôle, est-ce que le feu brûle réellement là-bas? Et puis elle a regardé en arrière et elle est devenue une statue de sel. Vous allez croire que c'est tout le monde qui a entendu, qui tient la chose à cœur. Pas comme ça. Elle a péri. Jésus a dit, souvenez-vous de la femme de Lot. La fin est sur le point de venir. Vous n'allez pas dire que on prie. Vous savez que on intercède, on prêche aussi. On vous donne la parole. Est-ce que vous croyez à tout ce que vous avez entendu? Est-ce que vous prenez votre vie pour tout ce que vous avez appris? Ou bien vous dites que j'ai tout appris, mais on dit de ne pas regarder en arrière, que celui qui est ami du monde est ennemi de Dieu. Est-ce que je vais accepter tout cela et complètement cela comme ça? Tu dois le faire. Parce que voici l'heure. Le jugement final vient. Le feu était venu sur Sodome et Gomorrhe. Voyons, Jude verset 7. En Jude 1, 7. Jude 7. Que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Il y a un enfer, il y a le jugement de Dieu. On ne sait pas quand l'heure sonnera. Mais très bientôt, le Seigneur prépare bientôt, enfin, l'heure a sonné, venez à la maison. Ceux qui sont prêts iront avec le Seigneur. Mais ceux qui sont comme les gendres, les beaux de Lot qui ne vont pas accepter la parole de Dieu, je dis que oui. Ils savent que nous sommes dans la vie profonde, qu'on prêche la parole. Que mon frère, je t'apprécie.
La façon dont tu prends soin de moi, ce que tu me fais, je vais te suivre, aller être en église un jour. Nos parents, ils ne font pas. Nos cousins ne font pas. Nos voisins, les gens même, on est membre de famille, et puis on leur donne ceci et cela. Et même sans même les appeler, même quand si nous les appelons, ma soeur, mon frère, tu sais que je ne suis pas un mendiant. J'ai aussi mon église. Quelle est l'évidence de l'église en eux? Toi, tu es satisfait. Ils ont leur église aussi. Mais le feu vient et ce sera un feu éternel. Et tous ces gens-là, qu'on n'est pas assez audacieux pour leur dire que le jugement vient. Où seras-tu? Où passeras-tu l'éternité? Même nos membres, nous avons l'autorité sur eux. Nous les voyons comme, on voit comment ils vivent, ce qu'ils font, même nos ouvriers, ce qu'ils font. Et nous n'avons pas le souci pour dire que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. On le laisse comme ça. Quel genre d'ouvrier sommes-nous? Quel genre de Lot sommes-nous? Quel genre de la femme de Lot sommes-nous? Quel genre de fille de Lot dont nous sommes-nous? Et que c'est ainsi que nous allons pratiquer la religion à la fin des temps, où allons-nous nous réveiller et dire que qu'est-ce que la parole, ce que la parole de Dieu est vrai? Le jugement vient. Tous seront là. Ceux qui ont rejeté, ceux qui ont gâté le message, nous allons nous lever et puis secourir les perdus, leur supplier avec eux et les faire sortir et les faire entrer au royaume. Il y a un grade où vient, où Dieu va mettre les pécheurs à gauche et les saints à droite. Où serez-vous en ce jour-là? Et où seront vos membres? Où seront les membres de votre famille? Où seront les gens, où seront les membres de cette ville, où seront-ils? Est-ce qu'on seulement on prêche, on prie pour la guérison et leur âme, où passeront-ils l'éternité? À partir de ce jour, nous allons prendre cette parole au sérieux. Nous allons prendre cette parole au sérieux. Et qu'ils nous désertent ou pas, nous allons leur dire la parole afin de ne pas être coupable au dernier jour que tu ne me l'as pas dit. Moi, je ne serai pas coupable, je vous l'ai dit. Est-ce que vous ne serez pas coupable si vous leur dites cela? Est-ce que vous allez leur dire? Tenez-vous debout maintenant et dites-le au Seigneur. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Nous devons sortir et leur parler. Nous devons sortir et leur en parler. Ce n'est pas seulement la prière. C'est la prédication, l'évangélisation. Il faut prêcher la parole. Que la parole brûle dans votre cœur. Que la parole brille dans leur âme, atteignez-les, prêchez la parole, convainquez-les et faites-leur sortir du péché et amenez-les au sauveur. L'insuffisance de la prière sans la prédication, nous devons prêcher la parole. Soit prêcher la parole en temps favorable ou non, réprimande, censure, exhorte avec des saintes doctrines. Le temps viendra où les gens, oui, ne me vont pas entrer la sainte doctrine. Ce sont des gens qui ont la démangeaison d'entendre des fables. Vous, levez-vous, prêchez la parole et amenez les pécheurs à genoux et conduisez-les au Seigneur pour être réellement nés de nouveau et prêts pour le ciel.